Est-ce qu'on rabote toutes les niches? Ben non, on constate qu'on rabote les planchettes, les petites niches, hein, les petites niches FCPI, FIP. Et lorsqu'on prend le palmarès des niches fiscales, ben qu'est-ce qu'on trouve dans les trois premières? On trouve la niche en matière de travaux immobiliers, la TVA 5,5, on trouve 4,3 milliards quand même, on trouve la niche des restaurateurs, 4,3 milliards aussi, ou l'un à 4,5 milliards, l'autre à 4,3 milliards, peu importe. On trouve la déduction, l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu pour les retraités. Et là, je cherche dans mon projet de loi de finances le coup de rabot qu'on va porter à ces poutres, hein, et non pas à ces petites planchettes. Et je constate qu'il n'y a rien. Donc je regrette que la réflexion sur le coup de rabot, qui est une idée définitivement admise, il faut raboter, eh bien, ne porte rigoureusement que sur des points précis et tout particulièrement porte sur nos PME qui pourtant ont bien besoin d'argent. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une idée qui circule depuis maintenant un an et demi, qui a été portée par un groupe de capital risqueurs, qui a été repris par l'AFIC, qui a été repris par PME Finance, qui consiste à toiletter le régime des sociétés financières d'innovation et à créer à côté de ce vieux régime de 1972 les fonds financiers d'innovation, les FFI. L'idée, elle est extrêmement simple, elle date de 72, donc on n'a rien inventé, consiste à permettre aux entreprises de déduire de leur impôt sur les sociétés leur investissement dans une société financière d'innovation ou un fonds financier d'innovation. Alors, l'intérêt, vous me direz, très bien, ben, l'entreprise va investir 100, elle va pouvoir déduire ses 100 de l'impôt sur les sociétés, donc elle va récupérer 33. Bien entendu, si la société fait des gains, eh bien on restituera cet avantage fiscal par la suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail du mécanisme. Mais lorsqu'on nous dit que, par exemple, Solvency II pénalise l'investissement des compagnies d'assurance dans les entreprises, et pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'elles constituent plus de 30% de fonds propres en face de leur investissement dans les PME, eh bien je constate qu'une mesure de ce type réduit à néant l'inconvénient créé par Solvency II. En effet, certes, il faudra peut-être 30% de fonds propres complémentaires, mais on aura eu 30%, 33% d'économies d'impôts. Bref, nous avons gommé la difficulté.